Bonjour tout le monde, mon nom c'est Myriam Bussière, je suis artiste multidisciplinaire et aujourd'hui je suis à la galerie MP Trésor pour faire avec vous un atelier. Un atelier qui consiste à faire un pot à crayon. Regardez comment il est beau. Avec un contenant de jus. Il est en carton et bien sûr il faut qu'il soit vide. Alors, j'ai plusieurs modèles que je vais vous montrer. Ici j'ai fait un petit cochon. Je l'ai appelé Miss Piggy. Je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra, là, comme ça, Miss Piggy. J'ai mis aussi des petits brillants. C'est très très beau. Et j'ai fait un beau petit renard. Regardez ici, il y a des beaux petits yeux rigolos. Et je l'ai appelé Fox. J'ai mis aussi des beaux petits brillants ici. Et l'autre que j'ai fait, c'est un beau petit minou. Il est marqué miaou. Parce qu'un chat, ça fait miaou. Alors, là, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer, à commenter, à partager. Et on a aussi d'autres capsules des ateliers virtuels, là, vraiment pour faire des belles créations. Moi, ma force, c'est de vraiment faire des créations avec des produits qui sont recyclés. Alors, le jus, il était plein. Je l'ai bu, alors au lieu de le jeter, je l'ai lavé et je l'ai rincé, égoutté, séché. Et là, je vais faire un beau pot à crayon avec. Alors, je vais vous dire le matériel qu'on a besoin. Premièrement, notre fameux contenant de jus, vide. De la colle, ben la colle liquide, transparente, ce serait mieux. De la couleur de la peinture acrylique. La couleur que vous voulez. On a besoin aussi du blanc acrylique. On a besoin aussi de la belle petite colle brillante. La couleur qu'on veut. Moi, j'ai du rose, du vert, du mauve. On a besoin de ciseaux. Des très bons ciseaux parce que c'est quand même du petit carton. On a besoin de marqueurs, Sharpie. Noir, la pointe fine, pas trop large. On a besoin d'un crayon de mine et des couvercles. Moi, c'est des couvercles de plastique, yogourt, margarine, ça fait la job. Crème glacée aussi, ça fait la job. On a besoin d'un pot, d'un contenant en plastique pour mettre, ou ça peut être un contenant en verre, ça dérange pas. C'est pour mettre de l'eau qui va être pour rincer nos pinceaux. Quand on va terminer. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Des guenilles, parce qu'on peut se saler les doigts. Alors, c'est bien important d'avoir une guenille humide et une guenille qui est sèche aussi. Alors, quoi d'autre aussi? On a besoin, ça c'est en option. Là. C'est du matériel d'artisanat. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Là. Il y a moyen de faire quelque chose, vous allez voir. Moi, qu'est-ce que j'ai? C'est des beaux petits yeux ici rigolos. J'en ai d'autres aussi que je me suis servi justement pour faire mes pots à crayon. Les autres sont de couleur. Puis les yeux, ils bougent aussi là-dedans. C'est vraiment le fun. C'est drôle aussi. Des petits boutons. Mais ça, c'est en option, là, comme je le dis. Si vous n'avez pas à la maison, là, c'est vraiment pas grave. C'est juste pour mettre un plus là, à notre création. Là. J'ai des petits pompons aussi. Ils sont tous doux. Ils sont pleins de couleurs différentes, c'est vraiment le fun. Alors ça, c'est tout en option. Alors, on va commencer par l'étape 1, qui va être de peinturer en blanc notre contenant. Pourquoi le peinturer en blanc? Ben, c'est pour cacher, parce que là, ici, on voit, c'est une couleur, plein d'écriture, il y a la marque aussi du jus. Fait qu'on va tout cacher ça avec le blanc. Ensuite, on va décider la couleur qu'on veut la peinturer. Alors, le blanc va faire en sorte que notre couleur va ressortir plus. Comme moi, quand j'ai fait mon petit cochon ici, j'ai fait le même principe, j'ai peinturé blanc. Après ça, j'ai découpé. Puis après ça, j'ai peinturé rose. Fait que ça fait que mon rose, vraiment, il est plus éclatant, on le voit mieux. Alors, je vais vous montrer comment qu'on fait. On commence avec, je crois que tantôt, j'ai oublié de vous dire qu'on a besoin de pinceau. C'est bien important, c'est l'outil numéro 1.
Alors, c'est des pinceaux, moi, différents formats, des plus larges, j'ai des vraiment des plus petits pour plus les détails, la précision. Alors, ça, c'est bien important, des pinceaux. Alors, je vais commencer avec le pinceau qui est large, parce que si on regarde la forme que y a mon contenant, si on veut plus large, ça vaut mieux pour travailler. Alors, moi, j'ai du vin. Aussi, la pinceau, ça peut être. Moi, c'est des petits contenants comme ça, des trous, mais ça peut être vraiment des gros tubes. Qu'est-ce que vous avez à la maison aussi, là? Alors, on débute. Et voilà. En passant, le contenant de jus, on fait avec le laver et ensuite avec du savon. Ici, on passe par le petit bout. Après ça, on égoutte comme ça et on laisse sécher. Alors, on commence. Vous voyez comment ça va bien avec le grand pinceau, le gros pinceau. Ça va mieux pour en mettre à pleine grandeur vu que mon pinceau est large. Comme ça. On n'en met pas trop épais, parce que ça peut faire des dégâts. Et aussi, ben, ça sèche plus vite quand on met une petite couche mince. De préférence, on va mettre deux couches de peinture blanche pour être sûr que ça va bien cacher, ça va nous faire un beau fond. Comme ça. Là, je peinture à pleine grandeur. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Je vais vous montrer ça. En étant uniforme de chaque côté. Et voilà. Alors, deux couches, c'est mieux. On laisse sécher entre les couches. Je vous dirais 10 à 15 minutes. Après ça, on fait une deuxième couche. Alors, on met de côté. OK, moi j'en mets ici. Il va sécher. Les petits couvercles de plastique peuvent servir aussi pour mettre en dessous, pour pas tout salir notre nappe ou la table ou ce que vous avez à la maison. Et là, comme vous voyez, pour la première fois, je me suis séchée. Alors, la petite guenille, voilà l'importance. Et j'en ai mis un petit peu sur ma table, alors je vais l'essuyer pour être sûr de ne pas en mettre partout. Et voilà. Lors de travailler proprement. Alors, là, j'ai mis une couche. On attend 15 minutes, on met une deuxième couche de blanc, on laisse sécher 15 minutes. Là, on attend de repos, parce que moi, je vais passer tout de suite à l'autre étape, que ça va être que je vais vous montrer comment faire le pot à crayon. Dans le fond, moi, mes deux couches ont été données, ça l'a séché. Là, je vais vous montrer comment qu'on commence ça. Alors, premièrement, on peut se prendre un crayon qu'on a à la maison. On peut regarder la hauteur qu'on voudrait que, dans le fond, que notre pot à crayon y soit. Ça dérange pas la hauteur, vous pouvez décider qu'est-ce que vous allez mettre dedans. On prend le petit crayon de mine. Mettons, je vais y aller avec ma petite hauteur ici, comme ça. Fait que là, j'ai ma petite ligne de repérage. Peut-être que vous ne voyez pas très bien avec mon crayon de mine. Je vais y aller avec mon marqueur. Et ici, ça me fait une petite ligne de repérage, comme ça. Alors, je pars comme ça ici, ma petite ligne. Puis là, je vais faire tout le tour. Parce que ça va être notre ligne pour découper. Alors, on y va. Moi, ce que je fais, c'est que je veux pas que ce soit trop coupé carré. Ça peut être un petit peu en rond, ça dérange pas. On fait comme ça tout le tour. En même temps, ça va créer du mouvement. Et voilà. Comme ça. Bien important, on remet le bouchon. OK. Je vais mettre ça là. Alors, la technique pour être capable d'aller découper comme ça, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre ça comme sur le contenant. Ça, c'est comme un petit berlingot bien au chocolat qu'on prend à l'école.
c'est la même chose. On fait ça des deux côtés comme ça. Puis là, pour l'ouvrir, la peine en bas comme ça. Et voilà. Et là, il faut des très bons ciseaux. Moi, je vais y aller avec celui-ci. Ça peut être des gros ciseaux, des petits, là, tout dépend comment que vous voyez que ça travaille mieux. Moi, je vais commencer avec ceux-là. Qu'est-ce qu'on fait? On commence dans un coin ici. Et là, on découpe le plus proche possible de notre ligne noire ici qu'on s'est fait. Mais vous, à la maison, vous n'êtes pas obligé de prendre votre crayon marqueur pour faire votre ligne. Là. Vous pouvez prendre votre crayon de mine. Moi, j'ai pris mon marqueur parce que je voulais être sûr que vous voyez vraiment ma ligne. Et dans chaque coin, on fait ça. On découpe. On prend le temps parce que c'est quand même pas facile, parce que c'est quand même du carton, hein. Alors, chaque coin. Si jamais les gros ciseaux, ça va pas tellement bien, on peut prendre les plus petits. Et voilà. Aussitôt, on nous donne une chance, on peut les replier un peu de même, hein. Ça a l'air dur de même, mais je vous dis, là, c'est facile. Et voilà, bon. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le plus près possible de ma ligne noire que j'ai faite tout le tour. Et voilà. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de mon coin ici, puis je vais aller couper comme ça pour me débarrasser de ce languette. Bon. Fait que ça ici, ça va servir tantôt. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Fait que là, on fait ça à tous les coins. Comme ça. Là, c'est pas mal plus facile, je vais vous dire. Là. Pas mal plus facile. Et voilà. Et on fait la même chose. Donc là, je suis le plus proche possible de ma ligne de repérage que j'ai faite tantôt. Alors moi, je vais prendre un autre paire de ciseaux. Comme ça. Puis, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper sur ma ligne noire. Comme ça. C'est quand même de la précision aussi, là. On fait attention pour ne pas se couper les doigts non plus, là. Ben, on ne se couperait pas un doigt, là, mais on pourrait se faire mal. Fait qu'on fait attention parce que c'est quand même des ciseaux. On prend notre temps. Et voilà. Vous voyez comment c'est facile? Là, on fait tout le tour comme ça. Et voilà. Comme ça. À la poubelle, hein, quand on n'a plus besoin, ça s'en va à la poubelle. Alors, il m'en reste encore un petit peu ici. Comme ça. Et voilà. OK. Bon. Fait que là, ici, on a notre belle petite forme de peau à crayon. Alors, là, si vous voulez peinturer une couleur que, tu sais, regarde, moi, j'ai pris le rose, j'ai pris le bleu, j'ai pris l'orange, le turquoise. Mais moi, aujourd'hui, je vais travailler avec le blanc et le rose. Mais j'en ai déjà un de surplus ici. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer comment qu'on peinture, un coup qui est découpé comme ça, comment qu'on peinture la couleur qu'on veut. Fait que, admettons, si je prends, on prend l'orange. On va y aller avec l'orange. Je vais vous montrer. On prend notre pinceau. Là, le pinceau blanc, si on a fini, on le met dans le coude. Et voilà. Un petit peu de place. Voilà, on prend une couleur orange. Et on prend un pinceau, on garde la largeur qu'on a ici. Ça, ça serait bon. OK. Alors, on a besoin. On base bien, hein? C'est bien important. Et voilà. Alors, c'est à ça qui sort les petites couvercles de plastique. C'est pour mettre notre peinture. Voilà, on prend ça là-dedans. Ça. Ce qui est le fun, c'est que moi, je me rentre la main là-dedans. Là, je peux travailler comme ça. Voilà. Regardez, c'est le même principe que tantôt. Quand on a mis le blanc, c'est la même chose. Ça va être deux couches aussi. On en met un petit peu à chaque endroit. On en met vraiment uniforme. Pas trop épais parce que ça peut couler puis ça sèche moins bien aussi, ça prend plus de temps puis ça peut faire des motons. Bon. Alors,
la première heure, comment ça va de même. C'est super. Alors, je vais manquer de orange. Je vais en remettre. On en met toujours un petit peu à la fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de gaspillage. Voilà. Ça. Et là, moi, je travaille debout. Hein. On peut travailler assis aussi, là. Ça. Moi, c'est parce que là, moi, je suis bien debout. Moi, je suis tout le temps debout, là, j'aime bien ça. On remet encore un petit peu d'orange. Et voilà. Fait que là, ça vous donne une idée un peu de comment qu'on fait pour mettre notre couleur. Alors, ça ressemble à ça. Moi, je ne ferai pas deux couches, là. C'était pour vous le montrer. Alors, c'est le même principe. On a mis une couche, on attend à peu près 10-15 minutes. Après ça, on remet une deuxième couche. Là, mettons, je vais mettre une deuxième couche. Mon pinceau, je ne le mettrai pas tout de suite dans l'eau. Parce que là, je vais en avoir besoin. Fait que ce que je fais, je vais garder mon petit couvercle de plastique que j'ai mis ma couleur dedans. Je vais mettre mon pinceau de côté, je vais l'accoter comme ça pour être sûr que ça ne fait pas des dégâts. Alors ça, on en a sous nos doigts, on s'essuie. Et on sort de notre petit couvercle de plastique. Et on peut mettre ça ici. Alors, 10-15 minutes, après ça, on donne une deuxième couche. Alors, à quoi qu'ils vont servir ces morceaux de carton? Moi, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être un lapin. Vous avez ici un petit modèle. Ça va être un lapin qui va être blanc et rose. Alors, moi ici, j'ai déjà mon pot à crayon qui est blanc. Mais l'affaire, c'est que faut dessiner, faut faire les oreilles. Alors, c'est pour ça qu'on va se servir de ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu sais, si vous avez décidé de faire un chat, vous faites des oreilles de chat, là. Un chien, des oreilles de chien. Tout dépend de ce que vous faites, là. Alors, moi, c'est un lapin. Fait que je vais vous montrer comment qu'on fait ça. Je me sors de mon crayon de mine. Là, je vais essayer de me faire un petit peu de place pour que vous soyez capable de voir. Alors, là, on s'attaque comme ça. Là, moi, c'est des grandes oreilles quand même, parce que c'est un lapin, là. Fait que j'en ai quand même d'assez long, là, tu sais, là, assez grand. Fait que je vais essayer de le faire à main levée comme ça va être un défi pour que vous soyez capable de le voir. Fait que je vais partir avec mon crayon de mine, mais après ça, je vais y aller avec mon marqueur noir pour que vous soyez capable de le voir. Comme ça. Je vais prendre mon crayon noir. Comme ça. Ça va être les grandes oreilles. Comme ça. Vous voyez? Là, ça fait mon oreille. Ici, c'est l'intérieur de l'oreille. Fait que ça, ici, je vais le laisser en blanc. Et l'intérieur, je vais le peinturer en rose. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Fait que si ce serait une oreille de chat, ce serait la même chose, sauf qu'il serait moins long. Hein? Même malgré qu'on pourrait mettre deux oreilles longues, c'est pas grave. Ce serait notre chat à nous. Alors, un autre de fait, et ça ici, on va refaire la même chose, comme ça, laisser l'intérieur comme ça. C'est pas obligé d'être pareil, égal, là, on s'entend, là, c'est de l'art, on se laisse aller la créativité, on n'oublie pas, c'est bien important. Deuxième oreille de fin, alors, un lapin. Ça a deux oreilles, mais ça a quoi aussi? Ça a une petite queue. Comme ça. Comme un gros pompon. Ça ressemble à un gros pompon. Alors, on va dessiner. C'est pas compliqué, c'est un rond. Fait qu'on fait un beau petit rond. On y va. Comme ça. Et voilà. Alors, je remets mon petit bouchon. Comme ça. Et je vais vous montrer comment qu'on fait. On découpe. Alors, je vais prendre celui-ci, des bons ciseaux parce que c'est encore du carton et c'est vraiment plus dur qu'une feuille de papier. Bon, on découpe. Mais moi, j'ai utilisé mon crayon noir Sharpie pour que vous soyez capable de voir à la caméra qu'est-ce que j'ai fait. Mais à la maison, prenez un crayon de mienne parce que si vous peinturez après ça, au moins ça paraît trop cool. Parce que le marqueur, là, c'est plus dur à cacher avec de la peinture.
quand on a fini, à la poubelle. Alors ici, j'ai ma petite queue, le petit bonbon. Et on fait pareil avec les grandes oreilles. Et voilà. Ça, on peut dépasser un peu plus loin, puis ouf, on enlève, on fait le contour d'oreille. Et voilà. Ça fait une petite oreille. Et l'autre oreille. Comme ça. Ça va, c'est bien fun. Et en plus, on fait de la récupération, on récupère notre contenant de jus. Puis aussi, on fait quelque chose de beau qui est utile. Et voilà. Fait que ça, à la poubelle. Et ici, on a les deux oreilles avec la petite queue. Le petit pompon. Vous voyez, bien, mes oreilles ne sont pas du tout égales. Hein? C'est pas grave. Hein? Voyons, il va être beau, mon lapin. Hein? Alors, moi, j'ai dit que mon lapin était blanc et rose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais peinturer la petite queue rose, les intérieurs, les oreilles ici, rose, mais le reste, je vais le laisser blanc. Alors, je vais vous montrer comment faire. On prend un autre pinceau. On pourrait y aller avec, si on regarde la dimension. Bon, le pinceau, il est bon. Alors, on y va avec le rose. C'est un petit rose, ça s'appelle barbe à papa, mais ça se mange pas. Alors, on brasse bien comme il faut. Et on en met un petit peu à la fois sur notre couvercle de plastique. C'est comme une petite spatule, dans le fond, une petite palette d'artiste, qu'on dit. Alors, on y va. Comme ça. Là, c'est sûr qu'il y a des chances qu'on ait un petit peu ses doigts. Mais c'est pas grave, parce que la peinture acrylique, ça se lave quand même bien. Mais un coup que je vais finir, c'est sûr que je vais me servir de ma guenille qui est humide. Alors, on en met partout, pas trop épais, comme ça. On va mettre ici de côté. Et on fait pareil. Là, c'est un petit peu plus de précision. Je peux prendre un plus petit pinceau aussi. Parce que, comme que vous voyez, l'intérieur des oreilles n'est pas vraiment large. Alors, si je prends mon pinceau ici, je risque de déborder de mon bord. Mais advenant que ça arrive, c'est pas grave, on peut remettre du blanc ou si vous avez pris du bleu, on peut remettre du bleu pour essayer de cacher notre petite erreur qu'on a faite. Alors, on continue avec le rose. On en remet toujours un petit peu à la fois. Ça évite le gaspillage. Bon, on y va. Puis si mon rose va par-dessus mon crayon noir Sharpie, c'est pas grave, parce que quand la peinture va sécher, je peux repasser après avec mon crayon. Et voilà. Là, ici, c'est un petit peu plus de précision. Si ça dépasse, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, on repasse après. Ça, c'est vraiment l'étape finale, finale, finale. Et voilà. Mais je vais donner deux couches, ça c'est certain, parce qu'on voit que le blanc paraît encore en dessous. Fait qu'on va redonner une deuxième couche de rose, on attend que ça sèche. 10 à 15 minutes, comme j'ai dit. Ça sèche quand même assez vite. On fait la même chose avec l'autre oreille. Voilà. Ça dépasse, c'est pas grave. Comme ça. On laisse sécher. La petite guenille humide, parce que moi j'en ai ses doigts, c'est fou. Hein? J'en ai ses doigts. Bon, ok. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer ici. L'intérieur de mes oreilles ici sont blancs. Mon remords, il est orange. Alors ça crée un contraste. Le petit cochon, lui, il est rose. Puis à l'intérieur de ses oreilles, j'ai mis un rose mauve. Et le petit lapin ici. Lui, il est bleu. L'intérieur de ses oreilles, je les ai mis rose. Ça. Et on n'oublie pas le petit minou. Le petit minou, lui, il est turquoise. L'intérieur de ses oreilles, il est rose.
Donc, ça fait un beau contraste aussi. Comme ça. Alors, on laisse sécher 10 à 15 minutes. Après ça, on revient, on redonne une deuxième couche. On attend encore 10 à 15 minutes. Après ça, je vous montre l'autre étape. Vous allez voir, on va avoir du plaisir. Bon, alors, la peinture, elle a séché. Comme j'ai dit tantôt, on met deux couches. On attend 10 à 15 minutes entre les couches. On ne met pas trop épais non plus, parce que ça va sécher plus rapidement. Alors, deux couches demi, ça a séché. Moi, dans le fond, mon projet, c'était un lapin blanc. Alors, j'en avais déjà préparé un. Alors, le voici. Mon petit lapin blanc. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tracé au crayon de mine ses yeux. Lui, il va avoir des yeux fermés. J'ai tracé son petit museau, son petit sourire, ses petites dents, parce qu'un lapin, ça a des grandes dents. Et mon petit lapin, il va s'appeler Roxy. Fait que moi, j'ai décidé d'écrire son nom sur le côté. Comme je vous dis, moi, j'ai fait ça tout au crayon de mine en premier. Mais là, je vais le refaire au crayon Sharpie, comme ça, vous allez voir mieux aussi. Et de l'autre côté, j'ai réécrit son nom, Roxy. Roxy, ça peut être le surnom de Roxane, mais c'est Roxy. Alors, là, derrière, ici, ça va être pour mettre la petite queue qui est rose. Ça va être très, très beau. Alors, je vous montre ça. Je prends mon crayon. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir tracer où est-ce que j'ai dessiné avec mon crayon de mine. Ensuite, quand tout ça, ça va être fait, je vais mettre de la peinture sur mon petit museau. Mais là, je trace le contour. Ça va faire en sorte que ça va faire aussi ressortir la peinture. Comme ça. Hey, là, je suis en train de dessiner à l'envers. Quand même pas super. Comme ça. Les petites dents. Fait que vous voyez un petit peu plus qu'est-ce que ça va donner. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais peinturer en rose son petit museau. Fait que moi, j'avais déjà de la peinture rose de préparer. Alors, le museau, il est pas très très gros. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Alors, le petit pinceau, on le trempe dans la peinture rose. Mais tout dépend de ce que vous avez fait aussi. Là. Ça peut être un museau d'une autre couleur. C'est pas obligé que ce soit rose. Là. C'est votre projet à vous. Moi, j'ai décidé de faire un petit lapin blanc. Blanc et rose. Alors, si jamais vous dépassez, puis on va sur le marqueur noir Sharpie, c'est pas grave. Parce que quand que la peinture va sécher, on va repasser le contour avec notre crayon marqueur. Alors, ma première couche, elle est faite. Alors, je mets mon pinceau de côté, ici, parce que j'en aurai besoin dans un pot très très long. Alors, en attendant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tracer avec mon marqueur noir son nom ici, que j'ai déjà tracé au crayon de mine, je vais le tracer au Sharpie. Mais là, encore là, je trace ça à l'envers. Mais là, faites pas ça à la maison. Là. À l'envers de même, là, vous n'êtes pas obligé. Là. Moi, c'est parce que je veux être sûr que vous voyez comme il faut. Comme ça. Ouais, puis ça peut dépendre aussi, là... Si vous voulez ça plus gros ou plus petit, là, moi je l'ai fait un petit peu plus proportionné là, son nom. Mais tu sais, ça aurait pu être plus gros, ça aurait pu être plus petit. Ça peut être autre chose aussi qu'un nom. C'est pas obligé d'être un nom. Moi, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait pour le minou ici? Moi, j'ai marqué Miaou. Fait que dans le fond, Miaou, c'est pas son nom, hein? C'est parce qu'un chat, ça fait Miaou. Fait que moi, j'ai marqué Miaou. Je vais vous le montrer, là. Miaou les deux bords. Comme ça. Alors, on continue. Fait que j'ai un bord de fée. Roxy. Je vais faire de l'autre côté. Comme ça.
on prend notre temps. Faut pas non plus que la pointe de notre marqueur soit trop large. Parce que vu qu'elle est fine, ça va mieux. Pour être sûr, ça déborde pas non plus, là. Et voilà. Alors, Roxy, ça s'écrit R, O, X. Là, je suis rendu à Y. Et voilà. Comme ça. Vous voyez, là, on voit mieux. Comme ça. Roxy. Alors, mon petit museau a séché pendant le temps que j'écrivais Roxy. Je vais redonner une deuxième couche. On n'oublie pas, on remet le petit capuchon quand on a terminé avec notre crayon marqueur. Alors, un petit peu de rose sur notre petit museau. Comme ça. Et d'après moi, ça va quand même assez bien. J'ai pas trop dépassé. Tiens. Comme ça. Fait que moi, dans le fond, il y a les yeux fermés. Mais si jamais vous avez du matériel d'artisanat, comme que je disais tantôt, des petits yeux rigolos, ben on peut faire qu'est-ce que j'ai fait sur mes petits modèles ici, comme le petit cochon. Il y a des petits yeux rigolos. Puis même quand on fait ça, de même, il bouge. C'est quand même drôle. Bon, OK. Fait que là, on laisse sécher. 5 à 10 minutes, là, il n'a pas tant épais non plus. C'est une petite surface, ça va sécher quand même assez rapidement. Fait qu'on laisse sécher, puis après ça, on va être rendu à l'étape de coller nos oreilles. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va de l'air. Ça va de l'air de ça. On va coller nos oreilles. Comme ça. Et il va avoir la petite queue. Comme ça. Et ça fait beau aussi. On voit un petit peu Roxy. Comme ça. Avec la petite queue rose. Ça crée un beau contraste. On va commencer par coller la petite queue. Alors, on va se servir de la colle liquide transparente. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on en regarde à peu près. Où est-ce qu'on la veut? Comment qu'on la veut? Ça, elle pourrait être plus bas, elle peut être plus haut. Moi, quand même, assez grosse, ça. Fait que, je pense que je vais la mettre comme ça ici. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais, mettons, vous n'êtes pas certain de le remettre à la même place, parce que, tu sais, il faut mettre de la colle avant. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre notre petit crayon de mine, puis on peut juste lever un petit peu comme ça, puis juste venir faire une petite marque pour démarquer l'endroit où est-ce qu'on va mettre la queue. Et voilà. Alors, on dépose. Fait que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, le petit crayon de mine ici, ça fait ma petite trace pour débuter à coller la queue. Alors, on ouvre ça. Pas besoin de brosser, hein, c'est de la colle. Alors, on n'en met pas trop sur le bord. Parce que quand on va mettre une pression, ça peut déborder. Fait qu'on essaye de ne pas avoir ses doigts. Faites pas comme moi. Fait que là, je m'enligne avec ma petite marque que j'ai faite au crayon. Comme ça. Là, on met une petite pression. Ça colle assez bien. Puis, ça prend pas trop de temps non plus à sécher. On met une bonne petite pression. Là, j'ai un petit peu de colle qui a débordé. Mais c'est pas tant grave parce qu'on peut l'enlever. Fait que si vous avez soit Q-tip, cure-dent ou ça peut être même le bout du pinceau ici. Là. Et ça, t'en as le pinceau avec les petits poils. Mais on prend l'endo. Ça peut faire la job aussi. C'est comme si c'était un gros cure-dent. Puis on servait notre guenille. Puis on vient déposer sur la guenille l'excédent de colle. Bon, comme ça. Fait comme ça, on n'en met pas partout. Et voilà, on met une petite pression. Alors, ça donne ça. La petite queue. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller les oreilles. C'est pas compliqué.
c'est le même principe. Alors, c'est ça que ça va donner. Comme ça, ça va faire beau. Alors, on y va, un oreille à la fois. Alors, et comme ça, on peut faire la même chose aussi, une petite ligne de repérage avec notre petit crayon de mine. Petit crayon de mine. On lève un petit peu l'oreille comme ça, puis on fait une petite trace en tour. Le petit coin de l'oreille, on sait où aller le déposer quand il va y avoir de la colle en dessous. Comme ça. Alors, comme j'ai dit, on n'en met pas trop sur le rebord. Parce qu'en mettant une pression, ça peut déborder. Alors, comme ça, on le dépose ici. Et voilà. Une petite pression. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je donne faire déborder ma colle. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut venir ramasser l'excédent. Alors on maintient une petite pression. Là, moi, je vais ramasser l'excédent de la colle. Je dépose sur ma petite guenille ici. On n'utilise pas la même guenille parce que là, on s'essuie les doigts parce qu'on va avoir les doigts collés. Là. Tiens. Comme ça. Bon, on maintient une petite minute à peu près. Bon, alors c'est pas mal collé. Alors on va faire pareil la deuxième oreille. C'est pas obligé d'être placé égal, hein. On peut placer ça un petit peu croche comme ça. Comme ça. On peut s'en faire une petite ligne de repérage. Pour être sûr où est-ce qu'on la veut. Dans le fond, on lève un petit peu l'oreille et on trace en tour. On va venir coller l'oreille sur notre trace de crayon parce qu'on veut pas que ça paraisse. Fait que ça va être pas mal ici. On refait la même chose. Là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire déborder la colle. Je sais pas, je vais réussir. On va essayer ça. Alors, je m'enligne. Comme ça. Ah, c'est pas super. Ça a bien de l'allure. Comme ça. Là, on maintient une petite minute. Pendant ce temps-là, on peut jouer avec notre ami. Tiens, comme ça. On maintient. C'est collé. Et ça va trop déborder. Bon, ben, c'est parfait, ça. Alors, regardez qu'est-ce que ça donne. Un beau lapin blanc et rose. Alors, on n'a pas fini, là. Parce que moi, là, j'aime beaucoup les brillants. Fait que, on va mettre des brillants. Moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des brillants dans mes oreilles. Ici sur le rose, puis sur le museau. Mais là, avant, je viens de penser, le rose du museau a séché. Je suis rendue à mettre mon Sharpie, mon marqueur noir, pour faire le contour. Parce que tantôt, je l'ai passé. Fait que, faut pas jouer. Comme ça. C'est pas mal beau, hein? Bon, on va mettre le description. Et voilà. Ok, mon pinceau, j'ai terminé pour le rose, on n'oublie pas. Je mets ça dans l'eau. Ça, on met ça de côté. Alors, comme j'ai dit, je vais prendre de la colle brillante rose. J'ai différentes teintes. Je pense que je vais y aller avec. Ça fait flash. On va mettre un petit peu. Dans son museau. Moi, je prends un petit pinceau pour ça. Puis, oh, voilà! Puis, après, ça sera bien aussi. Il faut tout se mettre dans l'eau, par exemple. On en met un petit peu. Puis, aussi, ça dépend du projet que vous avez, parce que, tu sais, de la colle brillante, on peut en mettre à pleine grandeur aussi. Là. Ça peut être, admettons, comme moi, mon lapin, il est blanc. J'aurais pu utiliser de la colle blanche, brillante. J'aurais pu en mettre à pleine grandeur, si je veux. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas ça. Alors, je continue avec mon petit brillant rose. Je vais en mettre sur le museau.
ça. Puis ça, de la colle brillante, là, on peut en mettre quand même assez épais. Ça fait qu'on voit plus les brillants aussi que dedans. C'est pas comme, comme de la peinture. Là. On peut en mettre un petit peu plus épais. Ça crée aussi une dimension. Déjà, là, ça commence à être plus, plus flash. Là. Tiens, comme ça. J'utilise un petit pinceau, bien sûr. Pas en mettre partout, hein. Tiens, comme ça. Et voilà. Ça fait un beau contraste aussi dans mon rose. Si je veux aussi, je peux en mettre dans le nombre ici. Mais là, aujourd'hui, je vais juste en mettre dans les oreilles et sur le museau. Puis ça, dans le fond, on met pas deux couches, trois couches, tu sais, là, je veux dire, on en met épais. Puis après ça, on voit quand ça va sécher si on aime ça. Sinon, on peut en remettre là, sans problème. Mais moi, d'habitude, c'est juste une bonne couche généreuse. Tiens, comme ça. Puis là, on peut regarder, voir si on aime ça. Ouais, on aime ça. Mais même si on va voir plus le devant que le derrière, rien n'empêche d'en mettre sur le derrière. Je vais en mettre sur la queue. Alors, la même chose. Je vais en mettre assez épais. Puis je vais prendre un pinceau un petit peu plus large. Vu que c'est une surface qui est un petit peu plus grande. J'en mets épais. Ça vient ici, flash, flash, flash. Roxy est brillante. Tiens. Tiens. Comme ça. Alors, pinceau, quand on a terminé avec la colle, on sait le même principe que la peinture, on met ça dans l'eau. Parce que sinon, ça va sécher et on ne pourra plus les utiliser. Alors, on laisse ça dans l'eau. Après ça, on peut rincer ça, laisser sécher à l'air sans problème. Pour la colle, c'est toujours l'étape finale. Alors, je dirais, ça peut prendre une grosse heure à sécher. Après ça, on peut regarder, voir si on trouve qu'il en manque ou si on veut rajouter autre chose. Pour moi, aujourd'hui, je vais avoir terminé. Alors, je vous remonte de côté. Ça fait ici. Le derrière. J'en ai mis épais, hein? Alors, Roxy de l'autre côté. Et voilà. Si j'avais voulu, au lieu de marquer Roxy, j'aurais pu dessiner une carotte aussi, là, tu sais, là, parce qu'un lapin, ça mange des carottes. Ça l'aime bien ça, en tout cas. Fait que, ça donne un beau petit lapin qui fait... On peut prendre un exemple. On va échanger. J'ai mon crayon. Je vais essayer de ne pas accrocher ma colle brillante. Je m'attends mes crayons. Et voilà. Ça fait un beau pot à crayon qu'on a récupéré. Oh, mon petit chien a jappé. Puis, est-ce que vous aimez ça? Ça fait beau, hein? Bon, alors. Je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Dans le fond, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour ceux qui aimeraient me rencontrer aussi, là, venez me voir à la galerie MP Trésor qui est située à Durham-Sud. Moi, je suis toujours ici les fins de semaine. Ça me fera un plaisir de vous rencontrer. Au plaisir. Et n'oubliez pas que l'art fait du bien. Merci.